c'est un des acteurs importants de cet écosystème, puisque nous avons des chercheurs, hein, nous avons des étudiants et des professionnels au sein de nos structures. Et ce dialogue existe déjà en cours, existe déjà au sein des laboratoires. Et les chercheurs sont prêts, sont d'abord des citoyens avant d'être des chercheurs. Le travail qu'ils font sur leur recherche, automatiquement, pour la majorité, ils ont envie d'en faire profiter l'ensemble des citoyens. Et je trouve que pour la plupart, ils ont un avis beaucoup moins tranché que ce qu'on peut entendre sur certains réseaux sociaux, sur certains médias. Et donc, je pense que les universités peuvent apporter une nuance qu'on peut peut-être plus difficilement avoir ailleurs. Une nuance parce que quand on est chercheur, on ne sait pas. Et je crois que c'est la première chose qui est importante, c'est qu'on a envie d'apprendre, on a envie de comprendre. C'est peut-être ce lien avec la société, c'est ne pas prendre trop de distance avec la société. Pour les universités, parfois, on a tendance à être dans un espace confiné, en entre-soi. Et même si on a envie d'aller vers les autres, on est automatiquement, comme tout le monde dans la société, avec ses pairs ou avec des gens qui sont proches de nous. Donc c'est oser aller voir les autres, ceux qui ne pensent pas comme nous, ceux qui n'ont pas les mêmes appétences que nous et ceux qui n'ont pas les mêmes outils que nous. Et la vie de tout le monde est importante et il n'y a pas la parole divine qui viendrait de l'université et la parole des autres qui est moins importante. Alors le patrimoine scientifique, pour moi, ça fait partie des fondations de notre savoir, des sciences, de notre culture. Et si on n'a pas de fondation, on ne peut pas construire l'avenir. Et il me semble important de garder ces fondations, de garder des objets qui racontent cette histoire des sciences, cette histoire de la recherche, pour pouvoir avancer, pour pouvoir éviter de refaire les erreurs qui ont déjà été faites, et avoir des jalons tout au long de la vie d'une science ou d'une recherche. Et puis parce que c'est une façon de parler plus facilement à des gens qui ne sont pas spécialistes. Parce que l'objet est pour moi important, est un média très très important.